Arrivé récemment du côté d'Al Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema est au cœur d'une polémique inattendue sous fond de conflit avec son entraîneur Nuno Espirito Santo. Présenté en rockstar à son arrivée au mois de juin dernier, Karim Benzema a été le premier gros transfert de l'été en Arabie Saoudite, ce qui a déclenché par la suite une véritable vague de départ vers le golf. En signant à Al Ittihad, le Français rejoignait les champions du dernier championnat dirigé par un certain Nuno Espirito Santo, connu pour avoir entraîné Tottenham ou Porto en Europe. Et alors qu'on pouvait s'imaginer que le Portugais lui déroule le tapis rouge pour l'installer en véritable meneur technique de son équipe, tout ne se passe pas exactement comme ça. Et les relations seraient tendues entre les deux hommes. En effet, on apprend que le technicien n'est pas forcément un grand fan du style de jeu du Ballon d'Or 2022 et qu'à aucun moment, il n'a demandé à sa direction d'agir pour le faire signer. Le Portugais estime qu'il ne répond pas à ce qu'il souhaitait obtenir pour renforcer son collectif. Benzema aurait d'ores et déjà fait part de son sentiment vis-à-vis de son entraîneur alors qu'il estime être traité de manière non professionnelle par son coach. De plus, une des promesses faites par les dirigeants saoudiens au moment de la signature du contrat de KB9 cristalliserait aussi les tensions, le brassard de capitaine, promis au nouveau numéro 9. Mais que Nuno Espirito Santo a laissé sur le bras de la légende du club Romarino. Des tensions qui pourraient avoir provoqué l'absence du Français à l'entraînement du jour. De quoi forcément interroger sur le futur du Portugais à la tête de l'équipe, car on imagine mal Karim Benzema déjà s'en aller.